À propos du climat de classe, est-ce que les élèves sont curieux devant les problèmes proposés? Est-ce que les erreurs des élèves sont utilisées comme un levier d'apprentissage autant en classe qu'en laboratoire? Exemple, est-ce que vous laissez les élèves créer leur protocole de laboratoire? Est-ce que les élèves partagent aisément leurs pensées, leurs idées et leurs stratégies en classe? Est-ce que vous et vos élèves avez du plaisir? Est-ce que la progression des élèves est valorisée régulièrement? Est-ce que les tâches proposées permettent aux élèves de relever de réels défis? Pour aller un peu plus loin au niveau du climat de classe, nous vous proposons quelques lectures, dont celui sur le site Apprendre et évaluer autrement en mathématiques, qui discute longuement du climat de classe. Bonne lecture!